Alors Nicolas, nous sommes ici sur le Salon du deux roues à Lyon, édition 2024. Et la Yamaha YZ moto de cross emblématique fête ses 50 ans. Parfaitement. Donc sur ce magnifique stand, on a 80 machines exposées. Oui. La première à la toute dernière, je suppose. Tout à fait, même mieux que ça. Parce que effectivement, 50 ans, ça veut dire que la première YZ est de 74, c'est vrai. Mais là, on a reculé encore un petit peu en arrière. On a présenté aussi des MX. La MX hein, qui était l'ancêtre de l'YZ, hein, qui est en précurseur. Et même encore avant, les fameuses AT1, AT2, M. Qui sont des dérivés de trail, en fait. Voilà, Yamaha était surtout connu pour avoir inventé un petit peu le trail bike hein, dès la fin des années 60. Et rapidement, cette appétence pour le tout-terrain, l'off-road, ils ont proposé dans un premier temps des kits pour ces motos-là afin d'être transformées en machines tout-terrain. Ah oui, donc et après, plus performantes. En fait. Voilà, plus performantes. Et après, ils ont directement commercialisé avec ce kit par Yamaha. Et on en a aujourd'hui qui sont présentés. Et on en a à côté, d'ailleurs, la machine de... Dorbeck qui était le premier, le français, avec une machine de YZ de 71. Alors commençons par le début, 1974, YZ en tant que telle est née. Voilà, tout à fait. Et comment a-t-elle évolué au fil des années? Alors la première vraie évolution qui a tout de suite marqué les esprits et qui a fait la... La réputation de Yamaha, c'est le cantilever. Cantilever. Voilà, ouais. C'est vraiment le monomortisseur peu commun. À l'arrière. Hein. À l'arrière, on est d'accord. Hein, l'amortisseur qui avait été créé par Lucien Tilkens, qui était un Belge professeur de technologie. Et ce cantilever, on le voit là, donc dès l'année 75, hein, il apparaît. Hein, 74, on est en double amortisseur. Et 75, le premier qui arrive. Ça a été une véritable révolution à l'époque. C'était une révolution. C'était testé avec un amortisseur de Citroën sur une CZ au départ. Ah, ouais. Il avait proposé à Eric Geburts. Les Français sont partout, en fait. Ouais, Eric Geburts et puis De Coster qui roulait Suzuki. Et il leur avait proposé d'essayer cette moto-là et ils avaient été convaincus par l'idée. Ils l'ont proposé à Suzuki, ils n'en ont pas voulu parler. Yamaha est passé par là, c'est eux qui ont emballé, qui ont signé pour avoir... Visionnaire en fait. Voilà, visionnaire, ils ont signé pour avoir le brevet. Et ils ont bien fait parce que le succès de l'YZ a tout de suite fonctionné avec cet amortisseur, ça a fait la différence tout de suite par rapport aux autres. Et notamment par rapport au CR Honda. Notamment par rapport à Sarah Honda. Et rapidement, ils étaient dans la course, ils ont été champions du monde dès 73, Mikkola, Anderson, après on connaît bien Carl Quicks, etc. Donc tout ça, ça s'est enchaîné rapidement derrière. Et cette performance-là leur a permis de devenir rapidement le leader. La 125, c'est la moto, la 125, c'est le plus vendu en France, par exemple, jusqu'au début, au milieu des années 80, c'était l'YZ. Il a démocratisé le motocross, en fait. Hein. Oui, c'est ça, il l'a... Dominé le marché français grâce à cet amortisseur-là qui était connu pour être beaucoup plus performant que les autres. Quoi. Français et mondial. Alors mondial, oui, j'ai pas trop de regard à l'échelle mondiale parce que chaque pays a un cas particulier, oui, mais forcément... Quand on voit les volumes qui ont été vendus. On voit les volumes qui ont été vendus, oui. Donc voilà un petit peu pour le lancement en évolution. Et puis après, comme toutes les japonaises, elles débarquent avec le liquide en 81 sur les 125, en 82 sur les plus grosses cylindrées. C'est une seconde évolution, mais commune. Parlant de cylindrée, c'est une moto qui a été déclinée quasiment dans toutes les cylindrées possibles et imaginables, de la 50 à la 490. Ouais, même 500. Alors, donc on a du 50, du 60. Hein. 50, c'est 1980, 1983. Le 60, une année de plus, jusqu'à 84. On a le 80. On a aussi les 100. C'est ça. Voilà, on a aux 65, États-Unis, il y en a 125, eu beaucoup. 250. Oui. On a aussi au départ des 360, des 400, comme on a là. On en a un exemplaire ici, hein, 360, 400. Après, on passe à la 465, la fameuse 490 qui est restée quasiment la même tout le long, hein, la fameuse moto de Carl Quicks. Hein, et puis, la moto du bûcheron. Le bûcheron, ouais, vraiment. Et puis, à force d'insistance d'ailleurs au sujet de sa moto-là, à force d'insister dans le domaine, ils ont pris un peu de retard. Et à un moment, ils craquent, ils sortent une belle 500, la fameuse 500 YZM, le modèle liquide quadralu, qui était vraiment une pure merveille. On en a un exemplaire ici. Qui était confidentiel. C'est très rare, très confidentiel, hein. Il n'y avait que Lundquist, personne, et puis Vimont hein, pour 87-88. Malheureusement, Vimont n'a pas pu faire la saison 87 par rapport à son accident, tout le monde le sait. Mais cette moto-là a existé, elle a roulé, elle a fait beaucoup d'éclats, surtout elle a marqué les esprits. Autant elle n'a pas été titrée plus que ça, mais hormis gagner le Touquet en 87 avec Lev Persson, elle a surtout marqué les esprits comme un mythe.
de la moto qui est apparue et qui n'a pas été plus loin. Et on en a une aujourd'hui. Alors, il y a eu quasiment toutes les cylindrées possibles et imaginables, mais il y a eu également toutes les versions. Motocross, enduro. Oui, alors c'est assez propre à toutes les marques de tout terrain, hein, mais c'est vrai qu'Yamaha s'est toujours bien investi aussi en supermotard, en rallye aussi, on le sait, en enduro avec Peter Hansel hein, et tant d'autres. Qui ont été homologués en plus. Homologués, voilà, qui sont passés après, au départ, les toutes premières, c'était encore YZ, et c'est passé WR ensuite. WR, quoi, WRZ, voilà. Etc. Exactement. Oui. Et puis, on a en exemplaire ici, on en a un petit peu tout, on a voulu faire quelque chose d'un petit peu d'hétéroclite, donc dans quelques exemplaires, notamment une de Peter Hansel, avec un kit 535 JPX, qu'il a utilisé pour le guidon d'or 92. JPX, c'est quoi? JPX, c'est un kit moteur comme le 360 Ohlins, comme Mugen, tout ça. Ça permet d'augmenter les cylindrées. C'est une préparation, fait. Voilà. C'est un fabricant qui faisait, pour ce type de modèle-là, des moteurs plus gros, qu'on retrouve aussi sur du sidecar ou des choses comme ça. Et donc, on a un petit peu ce pêle-mêle. On a voulu à la fois avoir une moto pour chaque année, pour voir l'évolution technique, mais aussi on a regroupé un petit peu de variété pour montrer un peu l'éventail des capacités d'Yamaha, des YZ, quoi. Donc on voit bien que c'est une moto qui s'adressait à un très très large éventail de public, donc aussi bien des coureurs professionnels que des amateurs. Bien sûr. Et c'est ce qui a fait son succès d'ailleurs. Oui, oui. Alors les titres sont arrivés, comme je disais tout à l'heure, assez rapidement dans leur histoire, hein, dès 73. Au Japon, on l'a gagné déjà même tout au début. Et puis la 125, là, je le vois déjà en amont et déjà au début du salon, même hier encore montée. La 125, ça fait vibrer. C'est la cure de jouvence, c'est les jeunes. La 125Z, on voit vraiment avec ce cantilever. La 125, c'était la moto que tous les jeunes voulaient avoir, l'YZ. Tout le monde voulait. Et là, on les a toutes jusqu'en 87. Et du coup, cette lignée de 125, ça met des frissons. On nous l'a déjà dit hier. Ça met les poils, comme on dit. Ouais, ouais, parce que là, c'est toute l'enfance qui défile. Et toute la jeunesse. Et tout le monde a eu l'une ou l'autre, de toute manière. Et on a même quelques versions américaines. On en a même une signée par Bob Anna, le fameux Hurricane. Voilà, carrément. Il y en a une de 78. Hurricane Anna. Ouais. Donc on a vraiment. Et là, on a celle de Jean-Luc Fouché, par exemple, champion de France, 125 Inter 84. Donc il nous l'a prêté. L'organisateur des Supercross. Aujourd'hui. Voilà, organisateur Supercross, connu pour Bercy, organisateur également pour actuellement, là au salon, pour le motocross indoor. Absolument. Voilà. C'est lui qui trace la piste. Voilà, tout à fait, ouais. Et puis, comment dire, on a aussi en moto qui ont marqué les esprits, on a celle de Jackie Vimont de 86, championne du monde. L'homme à la combinaison rose. Ouais, la panthère rose, ouais. Mais on a sa moto de vice-champion du monde de 85, on a son modèle de 86 qui a gagné le Grand Prix d'Allemagne. C'est une moto qui est vraiment authentifiée par Jean-Claude Olivier, signée et achetée chez Yamaha France par un collectionneur. Ouais. Donc c'est la vraie qui a gagné le Grand Prix d'Allemagne et qui a, en même temps, lui a permis de décrocher ce fameux titre, le premier titre français de champion du monde, et deux Grands Prix avant la fin. Donc c'est celle-là, celle qui est sur le podium tournant. Là. Voilà, alors il y en a très très peu, hein. Il y a eu, comme on dit tout à l'heure, que trois pilotes. Et puis celle-ci, elle a été reconstruite avec les pièces de rechange de ces trois pilotes-là confondus. Le collectionneur a pu en reconstruire une complète et c'est pareil, c'est une moto qui a été authentifiée en tant que vrai YZM parce que avec le cadre alu. Le cadre alu qui était vraiment précurseur. C'est pas les premiers, hein. On trouve déjà des prototypes dans les années mi-80, on trouve déjà des cadres alu, notamment Claude Fior, connu plutôt dans le monde de la vitesse, qui était un génie de l'aluminium, avait déjà fait des versions de Honda CR 86, 85-86 avec un cadre aluminium. Quand on regarde les images dans la vieille doc japonaise, on voit très bien qu'en championnat japonais, il y a déjà des essais liquides très tôt dans les années 70, très tôt aussi en cadre aluminium. Et donc là, évidemment, ça, c'est beau à voir, mais ce n'est pas un premier jet dans l'histoire du tout-terrain. En plus, elle est liquide. Enfin, on a quelque chose. Il n'y a rien de commun avec une machine de série là. Hein. On est vraiment dans le proto. On est vraiment dans le proto. Hein. Et ce qui fait sa rareté, on en dénombre entre 6 et 8 dans le monde. Hein. Voilà. Ah, carrément. Donc c'est pour ça que c'est très très rare. Une pièce très très rare. Oui. Ouais, voilà, tout à fait. Il faut savoir que parmi les motos qui sont présentées, on a des collectionneurs courageux, visionnaires, qui ont acheté des motos et qui ne les ont jamais utilisées. Elles n'ont jamais eu de l'essence dedans. Ah oui.
Donc on a une dizaine de motos, alors pas forcément dans les plus récentes non plus, même dans les anciennes, à partir de 79, 80, 81, on a des 125 neuves qui n'ont jamais pris de l'essence, qui n'ont jamais démarré. C'est des gens qui avaient déjà une idée du patrimoine représenter. Exactement, ouais. Donc c'est ça. Ça, c'est le graal du collectionneur. C'est d'en trouver une dans son jus d'origine qui n'a jamais démarré, imaginez bien quoi. Là, par exemple, on passe dans une ère beaucoup plus moderne. Elles sont devenues bleues, du coup. Ouais, elles sont déjà bleues. Là, maintenant, on passe des 96, le bleu apparaît. Hein, il revient, 95. Le fameux bleu Yamaha commence à apparaître. Vous voyez, ça, c'est des motos neuves qu'on m'a prêté, celle-ci, quoi. Hein, c'est une 125 de je ne sais plus quelle année. 2005, voilà, elle est neuve. Voilà. C'est quand même une moto qui a 20 ans, 19 ans aujourd'hui, elle est neuve. Jamais roulée, jamais démarrée. Les crampons n'ont jamais vu la terre. Exactement, il n'y a pas les petites tétines dessus. Donc là, c'est celle de Jackie. Alors justement, là, on a un petit Piwi 50. Ouais, c'est un petit clin d'œil. Qui était l'YZ du baby. Ouais, c'est ça. Alors, tout à fait. Et vous n'avez pas tort de dire YZ du baby, parce que le premier modèle en 80, que je ne me trompe pas, qui est sorti, il s'appelait l'YZ, mais Z pour Zinger. Et Zinger, en anglais, ça veut dire amusant, comme un gag. Donc, ils avaient cette petite moto-là. Prenez les initiales YZ. C'est pour ça qu'il y en a une aujourd'hui sur le stand YZ, parce que le premier modèle était aussi écrit YZ. Donc, elle a mis le pied à l'étrier de ô combien de futurs pilotes. Alors, l'anecdote là-dessus, c'est que quand elle est arrivée, il existait déjà la 50 YZ. Oui. Alors, on se dit, mais ça fait doublon. Et non. Et en fait, la 50 a rapidement cessé sa production au profit de la Piwi. Parce que c'était quand même destiné aux jeunes. À utiliser, oui. Et oui, imaginez que la 50, elle faisait 9 chevaux. Ah, oui. Ce qui est énorme pour une petite moto. Et comment voulez-vous qu'un petit bambin découvre ça? C'était déjà trop puissant. Un adulte pouvait déjà quasiment monter dessus et il était déjà impressionné. Donc du coup, c'est pour ça que la Piwi était beaucoup plus adaptée pour apprendre à faire du motocross. Avec des vitesses automatiques. Tout était automatique, donc du coup, c'était beaucoup plus propice. Et donc, d'où son succès. Et aujourd'hui, elle est toujours produite. Donc là, en moto ici, peu commune, on a une Rob Ehring, pilote anglais, championnat du monde. Donc c'est vraiment sa moto, avec des pièces très spéciales aussi dessus. On peut remarquer notamment son boîtier... en aluminium, son boîtier en alu, des choses comme ça, les plastiques, la fourche, enfin voilà, il y a pas mal de petits détails hein, pour les boîtiers de filtre à air. Ouais, notamment, qui visuellement, c'est ce qu'on remarque le plus. Regardez le réservoir en alu avec les trous à l'intérieur qui permet d'avoir une entrée d'air jusqu'au filtre à air. Ça, on voit dans la moto d'usine hein, quand même. Ah oui, c'est pensé. C'est pensé. Regardez encore un modèle de 250 qui est toute neuve celle-ci. Elle n'a jamais démarré. Un modèle de 2007. C'est une moto qui n'a jamais démarré. Jamais démarré, jamais d'essence dedans. Il y a encore ces petits autocollants d'origine, comme quand elle sort du magasin, quoi, de caisse. Comme on dit. Après, il y a des prépas originales. Hein. Regardez celle-ci. Alors ça, c'est vraiment un bizza, comme on dit hein, dans le jargon, c'est-à-dire un mélange de tout. Donc là, on a un moteur deux temps dans un cadre de 450 YZF, un cadre alu de 450 YZF, donc YZF qui est normalement un 4 temps. Oui. Et là, on met un moteur de 250 dedans, quitté 360 Ohlins. Ohlins, de la marque des amortisseurs qui est très connue, fait aussi des kits moteurs pour les YZ. Hein, 98 à peu près, hein, pendant 10 ans. Et, parce que c'est le même bas moteur. Hein, à peu près. Et là, du coup, on a un 360 Ohlins dans un cadre de 450 YZF. Donc, ça, c'est pas commun. Alors, justement, tu as évoqué tout à l'heure le 4 temps. Ouais. Donc il y a eu une évolution de l'YZ qui est passé du 2 temps au 4 temps. Alors la particularité de l'YZ, c'est qu'ils ont gardé les deux. Voilà. Hein, on a encore 2 temps, 4 temps. Alors que d'autres ont cessé comme Honda. Les deux versions, oui. Honda, 2007, fini. Dernier 2 temps, on n'en parle plus. Et ils sont passés 100% 4 temps. Alors que Yamaha, je pense qu'ils ont eu le nez fin, ils ont bien fait, heureusement. Ils sont restés aussi avec le 2 temps. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, pour le modèle 50e anniversaire qui nous a été prêté par Yamaha, on a une 125 et une 250 deux temps. Pour rappeler que le deux temps existe toujours et ça colle bien à l'image de l'YZ qui au départ est né en tant que deux temps. Je précise, aujourd'hui en 2024, on peut toujours acheter un YZ deux temps. Et oui, et même en version décoration anniversaire 2024, 50 ans.